Mais c'était un match compliqué, on le savait. On se l'était dit qu'ils allaient venir chercher le maintien chez nous. Voilà, je pense qu'on s'est mis un peu à la pression. Après, on a une belle réaction en seconde mi-temps parce que voilà, on savait qu'il fallait qu'on ait la victoire nous aussi pour aller chercher la qualification. Ça nous tenait à cœur. Ça aurait été dommage de passer à côté avec la saison qu'on a fait, rester invaincu à Coberlin. La trêve, vous avez eu du mal à la gérer. Les 5 semaines sans match, on vous a senti poussif en première mi-temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, sans doute aussi, oui, sans doute le manque de rythme. C'est un championnat qui est un peu bizarre avec des pauses très longues. Au début de saison, des enchaînements de matchs. On a eu le même passage suite à la trêve hivernale, fête de Noël et Nouvel An. Et pourtant, c'était dit qu'on essayerait de mettre tous les ingrédients pour que ça ne nous arrive pas. Bon, malheureusement, en première mi-temps, après aussi, Cognac est venu avec de belles intentions, ils ont fait le jeu. On est tombé sur une belle équipe, donc il n'y a pas que notre passage à vide, il y a aussi la belle équipe qu'on avait en face. En seconde mi-temps, du coup, vous avez attaqué différemment. Ça a été quoi le discours dans le vestiaire? Le discours, ça a été de se reprendre, d'essayer de se lâcher, de pas jouer avec cette paille au cul, comme on dit, et essayer de se libérer et de retrouver notre jeu qu'on a l'habitude de faire. Et s'appliquer surtout nos lancements de jeu, pas faire des en avant bêtes, des passes impossibles, essayer de revenir sur les bases, un jeu peut-être plus restreint, mais plus serein pour nous, aller chercher des points, des essais, des pénalités. Finalement, vous terminez 3e, vous allez affronter Aubenas, vous les connaissez un peu, vous... Absolument pas. Alors là, nous on était partis pour affronter Chambéry puisqu'on était 4e. Bon, après, on est 3e, Aubenas, c'est son second de leur poule, mais je pense qu'ils se valent autant l'un que l'autre, Chambéry comme Aubenas. La preuve, je crois que Aubenas a mis une petite fessée à Chambéry il n'y a pas longtemps. Donc ça va être un match très dur, je pense. Les équipes là-bas, généralement, c'est très gaillard, c'est des athlètes, donc on sait que ça va être compliqué, mais on va tout faire pour essayer de faire deux bons matchs, match aller, et se donner toutes les chances, suite au match aller, d'aller jouer quelque chose au match retour.